Alors là, c'est les grands préparatifs. On va tous partir en excursion. Voilà. On attend Lise et Elodie. Elles vont pas tarder d'arriver. Allez, c'est parti! C'est parti pour l'aventure! Tu nous accompagnes en roller, toi? Ouais! Oh putain, tu vas suivre? Mais bien sûr, je vais suivre! C'est vous qui allez pas me suivre! Ouais, c'est ça! Non, c'est vrai que là, il y en a trois là, trois compétiteurs là, ça va être chaud! Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Ah, t'as vu la baraque, lui? Depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. Allez, c'est parti. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans Alors, les fougères petite histoire de la voie ferrée. Nos bicyclettes. La Roche-sur-Yon-Couëx, 31 km. Puis donc la voie ferrée qui relie la Roche-sur-Yon à Couëx a été ouverte le 19 décembre 1880. Voilà. Vas-y, toi tu es bien là. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant. C'est bon, il n'y a pas de voiture. Avec Paulette, prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains. La bicyclette. Changement de décor. On se disait, c'est pour demain. C'est par là. J'oserai demain. Quand on ira moi, sur je suis les passé chemins, par là. Je suis en speed. Parce que dans la forêt, c'était galère. La bicyclette. Là, j'ai mis la patate par ici. Ah, c'est par là, ouais, c'est la piste là-bas. Ah. On arrive à des endroits là. Première fois que j'y arrive aussi loin. Putain, mortel! C'est ça qu'il faut que j'achète là. Alors là, vous voici sur le chemin du retour. Donc là-bas, une fois, premier en tête, Lise, Elodie, Edouard, puis moi. Là, j'ai les pieds en feu. On est arrivé à 10 km de Couëx. Première fois que je suis allé aussi loin. Alors, ça se dit, on va faire demi-tour parce que. Mais pas des suicidaires. Allez, nous sommes partis à 18h, là il est 20h. On est sur le chemin du retour, on est rendu à la Génétouse. Et Edouard. Et que... Edouard, qu'est-ce qui t'arrive, Edouard? Je suis mort. Edouard, il est trop mal au dos, Edouard. Le vélo il est trop petit. Vivement qu'on arrive. Là on a Henfa là. Une fois, elle a toujours la patate, une fois.
Il a dit qu'il est encore prêt à faire 30 km. Ça le dérangerait pas. Alors on va mettre la patate, on va rejoindre les autres là-bas. Voilà, ça c'est de la patate que je mets là. Vas-y. Oh, je vais vous faire tomber. Alors avant. Voilà. 21h passées, nous arrivons enfin à mon repos. 21h25, complètement cassé, complètement KO. Les jeunes nous ont laissé tomber, ils sont rentrés. Mais là, c'est la descente. Tao Lu Gao Dan Ta Gu Lu Xi